La maltraitance, d'une façon générale, peut être définie comme étant une situation dans laquelle on traite mal physiquement ou alors psychologiquement une personne. C'est dans ce sens que cette première édition spéciale de Jeunes en parle, génération du 21e siècle, s'interroge sur cette problématique, précisément sur la maltraitance des enfants, c'est-à-dire la maltraitance infantile. Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à cette première édition spéciale de votre émission web Jeunes en parle, génération du 21e siècle. Qu'est-ce que la maltraitance? Que doit faire et que peut faire une personne maltraitée? Que peut subir les différentes personnes qui maltraitent? Sont autant de questions auxquelles on essayera d'apporter des questions, des réponses tout au long de cette édition spéciale. Alors, je vous invite à me suivre, c'est par ici. C'est la tranche qui concerne les enfants, c'est-à-dire, si on se réfère à l'UNICEF, c'est de 0 à 18 ans. On parle d'enfants quand on a moins de 18 ans. Quand vous avez plus de 18 ans, on parle de 18 ans. Ce sont les personnes âgées entre 18 ans qui sont actives. C'est eux qui sont dépendants. C'est eux qui sont dépendants des parents. C'est les parents et c'est eux qui peuvent être victimes. Moi, par exemple, j'ai plus de 18 ans, mais je suis toujours dans une relation de dépendance du parent. Donc, si ça arrive que, avec mon tuteur ou que je quitte la maison familiale, donc si ça arrive que je suis victime, ça sera plus facile. Ça ne sera plus la maltraitance infantile, mais ça soulève une autre problématique. Justement, c'est ce que une psychologue a appelé, c'est Tony Anaprella, qui a parlé des interminables adolescences. C'est-à-dire que, jusqu'ici, vous voyez que quand on a dit 18, c'est la fin de l'adolescence, en théorie. Mais, avec la rareté de l'emploi, avec les études que vous faites de façon indéterminée, sans bourse. Parce qu'à une certaine époque, passablement avant nous, parce que même à notre époque, quand on entre à l'université en 90, on n'a plus la bourse assurée. Moi, j'ai eu des 3 mois de bourse à l'université après. On était les 16 étudiants là,
était étonnant. C'est-à-dire qu'avec 25 000 qu'on vous donnait, ou 35 000 quand vous étiez en troisième année, ça vous permettait de prendre un peu d'autonomie vis-à-vis de vos parents. Donc il y a la question de la dépendance va maintenant quitter le cadre de l'âge pour retrouver le cadre social. À quel moment on cesse d'être un enfant? Ça pose un problème. Il faut faire des études là-dessus. Parce qu'il y a des personnes qui ont des soucis avec le pas seulement 45 ans. On n'avait pas de maison, on n'avait pas d'emploi. On connaît des enfants, des grands garçons de 40 ans qui ont des enfants, qui ont des compagnes, ou alors les fils, hein, en parlant, pas ça, comme ça, qui ont des enfants et qui vivent avec leurs parents et leurs petits-enfants. Et comment reconnaître la maltraitance infantile? Ça, c'est la question, une question très intéressante. On parle du signalement. Il y a des signalements. C'est-à-dire, ça dépend, on prend le cadre. Ça peut se produire. La maltraitance va avoir lieu à la maison, dans le quartier ou à l'école. On prend ces trois cadres. Il y a d'autres formes de maltraitance qu'on va retrouver au marché ou n'importe où. Lorsque vous vous intéressez à cette question, il y a des petits indices. Par exemple, si vous allez dans une maison, vous voyez un enfant sale. Dans la définition de la maltraitance, on a dit la négligence. Un enfant sale, vous commencez à observer, ça peut arriver un jour que l'enfant soit sale. Mais si chaque fois que vous passez devant ma maison, vous voyez un enfant sale, commencez à vous interroger si cet enfant n'est pas mal. Vous voyez un enfant qui a des blessures, qui ressemble à des traces de bastonnage, commencez à vous interroger. Vous voyez un enfant qui somnole régulièrement pendant qu'il avait ses amis, un enfant qui se perd dans ses idées, un enfant qui n'est pas cohérent, un enfant qui développe un anisme psychosocial, c'est-à-dire qu'on vous dit ce gaillard-là qui fait à peine 50 cm à 10 ans, commence à vous donner, c'est ça qu'on appelle un anisme psychosocial. Donc il y a beaucoup de signes. Un enfant qui prolonge l'énurésie, c'est-à-dire que normalement le pipi au lit, c'est normal jusqu'à 6-7 ans, parfois de façon sporadique. Un enfant de 10 ans qui fait pipi au lit, commencez à vous poser des questions. Et quand est-ce que vous maladie? Il faut d'abord éliminer la cause pathologique. C'est-à-dire que pour parler d'un problème, il faut d'abord connaître le normal avant de parler du pathologique. Bon, après observation de tout ça, de tous ces facteurs-là qui peuvent nous pousser à prendre qu'un enfant a été maltraité, quelle est l'attitude à avoir, nous, qui observons cela? Vous, c'est-à-dire qui? C'est peut-être un ami. Je sens qu'il est peut-être maltraité. Quelle est l'attitude à avoir, déjà, si je ne suis pas certaine, et aussi, de l'autre côté, si je suis certaine qu'il est maltraité? La question du signalement et de la prise en charge est au cœur des débats sur la maltraitance. Vous observez, et en Afrique, au Cameroun en particulier, tous ces signes que j'ai montrés. Si vous demandez à un parent, j'ai un livre là, Alice Miller qui dit c'est pour ton bien. Le papa qui bat son enfant de 8 ans ne sait pas qu'il pratique la maltraitance, ne sait pas qu'il maltraite son enfant. Le papa qui gronde son fils de 20, de 30, de 40 ans, même s'il n'est plus dépendant, ne sait pas que c'est une violence qui les exerce. Il va dire ça tout à l'heure. Donc ça c'est tout un livre hein, que Alice Miller a écrit. Le titre c'est pour montrer les racines de la violence dans l'éducation de l'enfant. C'est cette dissimulation de la violence dans la relation d'éducation qui ne permet pas qu'on avance suffisamment dans l'élimination de la malpraitance. Donc, quand vous allez voir de quel outil disposez-vous pour dire, un, il s'agit d'un mauvais traitement, deux,
dire à un parent ou à un adulte qui a la charge de l'enfant de ne plus le faire, vous n'avez pas suffisamment d'amour. Et en plus, même si vous avez des arguments, est-ce que vous êtes suffisamment assez fort, pour dissuader ce parent, cet adulte-là qui maltraite l'enfant? Donc, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un problème, la première chose qu'il faut faire, si vous pensez vraiment qu'il y a un problème, par exemple, si votre camarade est régulièrement enfermé dans sa chambre parce qu'elle ne doit pas sortir, Vous pouvez dénoncer. C'est auprès des services compétents du circuit, donc la police, la gendarmerie. Eux, ils ont la force. Même le service social, j'ai envie de dire, normalement, c'est le service social qui s'occupe de ces cadres. Vous allez aller, vous habitez, je ne sais pas où, le service, la sous-préfecture, généralement, le service social est à côté de la sous-préfecture. Vous allez là-bas. Il y a un problème. Ils n'ont pas les moyens, l'agent de taxi pour venir regarder pendant un mois, parfois votre camarade va décider. Ou alors, en tout cas, il va devoir tomber dans une dépression. Pire, le service social s'arrête au niveau de l'arrondissement dans l'organisation administrative du Cameroun. Vous voyez tous les villages qui sont autour de l'arrondissement. Le périmètre urbain va s'arrêter peut-être à 5 km du centre-ville où se trouve le service social. Tous les villages, moi je suis à 25 km du chef-lieu de mon arrondissement, qui viendront voir. C'est compliqué. Donc vous voyez que c'est tout un gros problème. Et quand vous voulez encore ajouter la complication, la protection de l'enfance dépend du ministère de la Protection de la Femme et de la Famille. Et le ministère de la Protection de la Femme et de la Famille n'est pas représenté dans la Protection. Ça reste à l'université. Donc vous voyez qu'il y a même une maltraitance institutionnelle. Oui, d'abord ils sont en infraction. Hein? Faut pas hésiter à le dire. Si vous dites à un enseignant qui a tapé, vous êtes en infraction. L'article 35 de la loi sur l'orientation scolaire de 1998 interdit formellement toute forme de sévice à la loi de l'enfant dans l'organisation d'éducation. Il faut retenir cet article. L'article 35 de la loi sur l'orientation scolaire. L'éducation à l'école. Oui, ça, on est à l'école. Au Cameroun, de la loi sur l'orientation scolaire qui dit comment on doit organiser, comment l'école est organisée, les deux sous-systèmes à nouveau. C'est la loi de 98. Donc, son article 35 parle précisément des violences faites aux enfants, interdit. Ça veut dire que le maître ou le professeur qui s'amuse avec le corps de l'enfant est passible d'emprisonnement. Parce que quand vous dépassez le cadre scolaire, vous entrez dans le pénal, vous avez souvent vu les enfants, quand on tue, c'est là où on pense qu'on a franchi le seuil de l'intérêt. Ils vont en prison. Le professeur ne te protège pas, le délégué ne te protège pas. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas au courant de cet article. Mmh. Parce que dans tous les établissements, la violence, c'est pas mal. Oui, c'est nous, un peu le travail des ONG comme nous, c'est ce que nous faisons avec eux. C'est sensibiliser. On sensibilise. Et je pense que ce que vous faites aussi est très important pour sensibiliser. Moi, je travaille dans le cadre de cette organisation depuis une vingtaine d'années. Au départ, on a pensé que il fallait sensibiliser tous les parents à travers les stratégies qu'on avait mis sur pied, aller dans les villages, former les animateurs, les formateurs, sensibiliser les parents. Mais si l'État n'a pas les moyens financiers pour faire ce travail, parce que quand je dis la protection de l'enfant au niveau du ministère de la Protection de la Femme et de la Famille, c'est limite au niveau du département. Je ne suis pas sûr que c'est la volonté qui manque au Cameroun qui a ratifié tous les textes internationaux qui protègent l'enfant. C'est le moyen. Que ce soit
femme, c'est une sociale qui limite au niveau de l'arrondissement. L'État ne peut pas avoir les moyens d'aller jusqu'au niveau du village. Donc, du coup, même nous, on s'est rendu compte qu'on n'aura quel moyen pour aller jusqu'au niveau du village. Et on s'est lancé dans la recherche. On fait la recherche, on publie. Et le livre, on peut facilement, ou bien la brochure qu'on a produite, on peut facilement la distribuer à beaucoup de personnes. Et ce qu'on fait aussi, comme une émission comme celle-ci, si elle est diffusée, je ne sais pas, dans un média social ou à la télé, parfois c'est à la télé que je passe, parfois c'est à la radio, on est sûr qu'on touche beaucoup de gens, on sensibilise dans les écoles et dans les familles. Et ça peut beaucoup de gens. La prise de conscience, ça, il faut le point le plus compliqué que d'une prise de conscience. Il y a une dimension culturelle et anthropologique dans la maternité. Je crois que c'est avec votre camarade que je parlais dernièrement. Ce petit garçon qui vend les archives de cantine, il est dans le travail des enfants. On peut dire, de prime abord, c'est-à-dire que moi, le professionnel, si je le rencontre régulièrement dans mon quartier, un petit garçon, peut-être qu'il est assis en face de ma maison, il vend les archives chaque année. Si je ne suis pas, si c'est un blanc, quand je reçois souvent les stagiaires, les expatriés, quand ils voient, ou elles voient souvent, c'est les filles, ils pensent que c'est de la maltraitance. Pour eux, en Occident, un enfant qui vend est victime de meurtre. Or, il y a une dimension culturelle. Il y a une dimension culturelle qu'il faut toujours cerner pour voir si nous sommes effectivement dans la maltraitance. Et ça arrive au problème de signalement dont j'ai parlé. Que c'est la maltraitance, parfois c'est pas ça. Donc il faut toujours faire attention. Donc la prise de conscience n'est pas suffisante. Il faut creuser, il faut aller au fond du problème pour que le parent. Peut-être dans son cas, ce n'est pas la maltraitance. Hein? C'est vrai, si on fouette. Moi, j'appelle ça une faiblesse de l'enseignant. Hein? Un enfant, un enseignant ou un parent qui fouette. Moi, j'ai des filles, comme vous, j'ai 4 filles. Je n'ai jamais mis la main. On se demande bien comment éduquer l'enfant. Il faut les convaincre. Il faut les comprendre, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut les respecter. Le meilleur moyen d'apprendre le respect à un enfant, c'est en le respect, c'est le respecter. Pour d'autres parents, ça ne suffit pas. La maltraitance infantile peut-elle déboucher à l'infanticide? L'infanticide en lui-même est déjà une forme de maltraitance. Mais c'est quoi l'infanticide? C'est les enfants qu'on tue là volontairement ou qu'on jette dans les rues, c'est après l'accouchement. Ça, le nom est clair. Aucun peuple n'accepte la mort volontaire. Sauf, faut faire plus attention, dans le cadre d'une institution communautaire reconnue et secrète, parce que l'État ne va pas vous tolérer. C'est-à-dire que quelle que soit la société où vous vivez, je ne connais pas dans le monde, je n'ai jamais entendu qu'il y ait une société qui accepte la mort de tuer volontairement un enfant. Mais par contre, il y a des sociétés secrètes qui acceptent la mort de certains enfants parce que c'est. On dit qu'il y a des enfants qui naissent sorciers. Les traditions. Mais la loi n'accepte pas ça. Et quelles sont les raisons qui poussent une personne à maltraiter un enfant? C'est beaucoup de raisons. C'est beaucoup de causes. D'abord, l'ignorance. D'abord. Moi, je mets toujours l'ignorance en avance parce que la pauvreté ne peut pas vous amener à augmenter la pauvreté chez vous. Parce que quand vous maltraitez l'enfant, vous le rendez plus pauvre. Oui. Plus pauvre intellectuellement, plus pauvre spirituellement, plus pauvre, plus vulnérable, ainsi de suite. Donc, c'est l'ignorance toujours. Même quand vous allez dire c'est la pauvreté, même quand vous allez dire
c'est les conditions, la coutume ou la culture, c'est généralement l'ignorance. Mais il y a certaines personnes qui font ça parce qu'elles veulent. Je prends par exemple l'exemple des belles-mères qui maltraitent souvent, maltraitent la fille ou alors le garçon de leur mari. C'est l'ignorance. C'est pas volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire, mais je préfère parler de l'ignorance que d'entrer dans un jugement moral. Parce que le jugement moral, c'est dire qu'elle est méchante. Oui, ça c'est... À l'église, on va dire qu'elle est méchante. Mais je crois qu'elle est ignorante. Parce que c'est ça, si vous lisez un peu la Bible, c'est ce que Jésus dit de ses bourreaux. Pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc même cette marâtre qui maltraite son enfant, l'expérience a montré. La personne maltraitée n'a parfois pas suffisamment d'arguments, puisqu'il s'agit d'un enfant. Il ne connaît pas les références, il ne connaît même pas le quartier, parfois il est trop petit. Donc généralement, il subit ça brutalement. Donc il n'a rien à faire. Mais par contre, l'entourage peut faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser l'entourage. Il faut que le service social soit plus proche des lieux de maltraitance. Il faut que les professionnels soient plus proches des services des lieux de maltraitance. Il faut que les forces de sécurité soient plus proches des services des lieux de maltraitance. Et c'est difficile.
C'est pas évident, mais si les autres sont arrivés à ça, nous-mêmes on va arriver. C'est un processus. Mais peut-être qu'on n'en fait pas. On ne met pas l'accent. C'est pas une priorité. On dit, je crois, le ministère le plus pauvre dans notre gouvernement, c'est l'affaire sociale, c'est la promotion de la femme et de la famille. Nous avons ces structures et organisations. Parlez-nous un peu de EMIDA. EMIDA. EMIDA, voilà. EMIDA, c'est le cycle de élimination de la maltraitance infantile et domestique en Afrique. C'est ça EMIDA. C'est une organisation de la société civile qui a été créée en 1999 par un éducateur spécialisé de nationalité suisse. Il est entouré de quelques éducateurs, enseignants camerounais. Moi, je finissais le premier cycle à l'université. Nous avons un dispositif stratégique pour ce travail. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu le siège, c'est le lieu de conception et de coordination des actions. Et sur le terrain, nous avons d'abord des consultants, des formateurs qui vont dans un village qu'on a choisi ou que notre partenaire, un partenaire quelconque a choisi. Donc nous l'envoyons sur le terrain, ils sensibilisent les autorités et les parents, ils forment des animateurs locaux, on crée un centre d'écoute et d'accompagnement et on commence donc à sensibiliser les parents au quotidien. Donc ce sont leurs propres animateurs, les animateurs étant de leur village, de temps en temps, soit ça se fait au centre d'écoute et d'accompagnement, soit à l'occasion d'une causerie autour d'un verre de matango, ou de nofia, ou d'une vente de beignets, ils parlent des comportements positifs. Mais qu'est-ce que vous nous direz de manière générale sur la maltraitance infantile? Oui. Ce que je vais dire, c'est que la maltraitance est une réalité dans la société camerounaise. Elle est une réalité dans nos familles. Elle est une réalité dans les écoles. Elle est une réalité dans la rue. Elle est une réalité dans les églises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un réveil des chercheurs, il y a un réveil des acteurs de la société civile, il y a une réelle prise de conscience de l'État qui a, par exemple, au Cameroun, ratifié toutes les conventions internationales relatives à la protection de l'enfance, qui, dans son corpus juridique, le code pénal, le code civil, a reconnu, a interdit, a pénalisé toutes les formes de violence faites aux enfants. Et il y a l'ordonnance de 81 qui protège l'identité, l'état civil de l'enfant. Donc il y a des textes. Maintenant, la troisième chose que je vais dire, c'est qu'il faut un engagement. Il faut un engagement. Il y a les textes, il y a le fait, il y a les textes, mais il faut un engagement de tous ces acteurs, de l'État, de la société civile, des chercheurs, des professionnels, des agents de santé, de l'éducation et des affaires sociales pour lutter véritablement contre ce phénomène qui, malheureusement, est une forme d'automutilation de la société. C'est-à-dire qu'on limite. Si c'était simple, ce n'était que taper et après on a oublié, on ne parlerait pas de mort. On ne parlerait pas, ça ne serait pas un problème. Mais les conséquences de la maltraitance sont énormes. Ils privent l'enfant, la famille, la société tout entière d'un grand potentiel que Dieu donne à chaque être humain à sa naissance. Nous vous remercions pour toutes ces différentes réponses que vous nous avez apportées et pour ces éclaircies sur la thématique de la maltraitance infantile dans notre société. Donc je vous remercie et surtout je vous encourage dans vos études. Ça, c'est, quand vous êtes fille, ça c'est la première chose. Moi je pense que la première émancipation de la femme passe par la formation scolaire, universitaire. Et l'autonomie, c'est d'abord une question mentale pour moi. C'est-à-dire que vous serez autonome si dans votre terre de santé que vous êtes autonome. C'est pas une question matérielle. Le côté matériel viendra après. Si vous avez quand vous êtes bien formé,
aujourd'hui les femmes ont plus de chances de trouver des emplois. Je suis sûr que vous trouverez des emplois. Amen. Et si vous vous intéressez aux questions de protection de la femme ou de l'enfant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon mémoire de master porte sur la participation de la femme au développement. Donc, j'ai ce regard croisé là sur la femme et sur l'enfant. Et je peux l'aborder sur un plan anthropologique ou sociologique ou psychologique. Donc, ça dépend de ceux qui sont en face de moi. C'est très intéressant si vous vous intéressez à ça. Je suis disponible. Nous vous remercions encore pour cette intervention et pour votre présence à cette édition. Alors nous voici arrivés au terme de cette première édition spéciale de Jeunes en Pas Génération du 21e siècle. Nous espérons vivement qu'on a pu vous apporter des éclaircies sur ce qui est de la maltraitance infantile, bien évidemment avec la participation de M. Bani Kerr-Claude. On apprend chaque jour, c'est ce que nous retenons. Moi j'ai appris Tony Atrella et Alice Miller, que je vais oublier. Faut se renseigner, faut s'éduquer. Faut chercher, faut compter. Faut creuser. Alors nous remercions toutes ces personnes-là qui de près ou de loin nous accompagnent. On reçoit également nos partenaires, notre équipe technique et on se dit à la prochaine.